Coucou tout le monde! Alors, je reviens vous parler. Mais mon Dieu, je suis dénudée. C'est incroyable. Donc, je reviens vous parler de quelques achats que j'ai fait dernièrement. Donc, il va y avoir quelques vidéos un peu revues des derniers achats que j'ai fait. Alors, je vais commencer par un fond de teint que je teste depuis plus d'un mois, je pense. Ouais. Ça doit faire plus d'un mois. Donc c'est un fond de teint dont j'ai jamais entendu parler sur YouTube, c'est assez bizarre. Alors je sais pas s'il est, s'il est pas connu, non, pourquoi, parce qu'il est génial, voilà, je vous ai déjà tout dit. C'est un fond de teint Shiseido, donc c'est le teint double contrôle, qui a un SPF 15. Moi j'ai la teinte I40, donc c'est la teinte naturelle ivoire carnation. Il y a 30 ml comme un fond de teint classique. Et il coûte à peu près... Bon, il est cher. Hein. Il coûte à peu près 38 euros et des patates à Sephora. Après, si vous avez moins 20%, voilà, ça devient tout de suite un peu plus avantageux. Donc ça peut valoir le coup d'attendre un petit peu pour l'avoir moins cher, quoi. Alors, déjà j'aime bien le packaging, bon c'est en verre, donc ça peut être casse-gueule si vous le trimballez, mais c'est un fond de teint qui est pas très grand en fait. Enfin je le trouve pas très très grand par rapport à ma main, vous voyez, c'est un petit truc quoi, par rapport au fond de teint MAC, les fonds de teint MAC font le double quoi, donc et pourtant il y a la même quantité. Après vous avez cette espèce de petit détail un peu violet avec des paillettes machin et tout sur le bouchon que je trouve sympa. Donc ça, voilà, niveau packaging, je trouve ça pas mal, excepté le côté vert, voilà, qui du coup fait un peu genre, enfin on a peur de le péter quoi. Après, autre petit point qui est un peu dommage, mais qui dans le fond n'est pas forcément très gênant selon comment vous l'appliquez, il n'y a pas de pompe. Alors vous me direz, pour un fond de teint à 38 euros, ça fout un peu les boules, mais moi j'en ai rien à battre. Ça change pas ma vie, parce que étant donné la texture de ce fond de teint, voilà, vous le faites... Moi je le mets au doigt en plus, donc autant vous dire que voilà, j'en mets un tout petit peu dans mes doigts parce qu'il se dose très très bien. Je chauffe un peu le produit et je l'étale au doigt. Alors ce que j'adore dans ces fonds de teint, c'est que déjà ils font des fonds de teint un peu neutres. C'est-à-dire voilà, ma couleur c'est naturel ivoire carnation. C'est un truc qui fait naturel. C'est pas un truc qui va taper sur le jaune ou qui va taper sur le rose. Enfin, pas vraiment, je trouve. Ça fait vraiment... Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, en achetant mes fonds de teint MAC, il y avait un problème dans leur truc. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le teint jaune ou le teint rose ou voilà. On peut aussi avoir le teint neutre un peu. Et celui-là, même s'il y a le mot ivoire dedans, bah, je trouve qu'il est quand même... Il a rien à voir avec mes autres fonds de teint. Il a une couleur beaucoup plus neutre. Et il me va parfaitement au niveau de la carnation. Alors que les fonds de teint MAC, j'avais toujours un souci de carnation, c'était très chiant. Donc il me va parfaitement. Au niveau de la texture, alors ils disent de bien agiter avant l'utilisation, donc j'y pense une fois sur 15, hein, mais bon, c'est pas. Au niveau de la texture, c'est une texture... elle est ni fluide, ni... voilà, c'est pas un truc quand vous le versez, ça... Voilà, ça vous dégueule pas dessus, quoi. Mais c'est pas épais non plus, donc c'est une super texture, voilà. Après, ça s'applique super bien. Ça fait un espèce d'effet tout doux quand vous l'appliquez. Et ça fait un effet frais quand vous le passez, parce qu'on dirait que vous vous mettez de l'eau sur le visage. Alors malgré qu'on dirait de l'eau, c'est une couvrance qui est moyenne. Voilà, je dirais de légère à moyenne. Si vous cherchez vraiment à camoufler toutes vos imperfections, il va pas suffire, il faudra forcément mettre du correcteur. Mais je dirais que la couvrance est légère à moyenne. Il a un SPF 15, donc c'est génial, protection solaire. Et surtout, pourquoi je l'ai acheté? Parce que il a... je trouve plus mes mots, ça va bien se passer. Google, Google. Il est non comédogène, ça y est, c'est revenu. J'ai eu une déconnexion cérébrale pendant un moment. Donc il est non comédogène et c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, parce que je suis en lutte en ce moment contre mon acné récalcitrante, même plus que récalcitrante, et donc il me fallait absolument un fond de teint non comédogène, puisque les autres fonds de teint que j'avais n'étaient pas non comédogènes. Alors ils sont censés l'être quasiment tous maintenant, mais je crois pas, donc non. Donc j'ai pris un fond de teint non comédogène et franchement il est génial ce fond de teint. Et j'ai pris celui-là parce qu'en fait ils disent que c'est... Qu'est-ce qu'ils disent de...
fond de teint, hydratant et rééquilibrant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc fond de teint hydratant et rééquilibrant, et franchement, bah, je suis bien d'accord. Puisque quand vous le passez, vous avez l'impression de vous foutre de l'eau dessus, donc ça fait un espèce de côté hydratant, ça vous tire pas du tout. C'est hyper agréable à passer, mais vraiment. Le rendu est juste super joli. Alors comme d'habitude, vous allez me dire, ouais, tu brilles, machin, bidule. Voilà, ne prenez bien en compte que j'ai toujours mon spot blanc dans la tronche, mais vraiment pleine tête, qui fait ressortir toutes les brillances naturelles de la peau. Et donc faut pas se fier à ça du tout. C'est un rendu semi-mat. Je trouve pas que ce soit rendu mat, vous avez pas la peau mat, vous avez la peau quand même lumineuse, mais c'est pas glowy. Donc je dirais que c'est un rendu semi-mat ou satiné, je sais pas trop, entre les deux. Je vois pas trop la différence, mais voilà. Donc c'est pas mat-mat et c'est pas glowy non plus, hein, entre les deux, donc ça fait un rendu naturel en gros, hein, clairement, c'est ça. Et il est censé être rééquilibrant. C'est peut-être ce point-là qui me gêne un peu plus. Je dirais pas qu'effectivement il a un côté rééquilibrant, c'est-à-dire que je brille beaucoup moins au niveau de la zone T. Mais c'est pas non plus le truc... Remarquez, ils disent pas vraiment matifiant. Hein. Ils disent rééquilibrant, mais ils disent pas matifiant. Donc, je dirais pourquoi pas. C'est vrai que je brille un peu moins quand je l'ai voilà, sur la zone T, mais je brille quand même un peu moins. Ce fond de teint, je le poudre soit avec mes poudres MAC habituelles, c'est-à-dire la Mineral Skin Finish ou la Blood Powder si vraiment j'ai envie. Mais en ce moment, je m'en sers quasiment plus de ma Blood Powder, de ma poudre matifiante de chez MAC. Et par contre, je me suis fait un peu avoir par la vendeuse de chez Sephora parce que je ne m'ai même pas laissé le temps de regarder les produits. Voilà, je l'ai écouté comme une cruche et j'ai... Voilà. Elle m'a vendu une poudre, qui n'est pas du tout une poudre d'ailleurs, c'est un fond de teint matifiant All Free, donc sans corps gras, de chez Shiseido aussi, dans la teinte pareil, naturel, ivoire naturel quoi. Voilà, et en fait c'est un fond de teint qui est très tendre celui-là. Et donc c'est censé être un fond de teint, mais elle m'a conseillé de le mettre en poudre. Et c'est vrai que l'idée est franchement pas débile. Moi ça m'embête un peu de me coller deux couches de fond de teint sur la tronche, mais finalement le rendu reste très très naturel et ça se voit pas. Donc je me dis bah pourquoi pas. Voilà, mais c'est un fond de teint traitant, c'est-à-dire que et il vous matifie et en même temps il lutte contre les imperfections, c'est-à-dire les marques d'acné, les imperfections, tout ça, c'est un truc traitant. Donc il est dans le rayon traitant chez Sephora pour celles qui le cherchent, c'est le fond de teint Shiseido Pureness en français, Pureness. Je sais pas si vous allez voir si je vous montre le nom. Non, vous voyez, rien du tout. Donc il y a 11 grammes dedans et je sais plus exactement combien il m'a coûté, mais ça doit être à peu près dans les 30 euros, je crois. Enfin, je sais plus trop. J'avais claqué pas mal de thunes ce jour-là chez Sephora. Donc il est livré. Il est livré. Vous lavez avec une éponge. Je m'en suis servi une fois de l'éponge. Là, je l'ai lavé. Vous avez un petit miroir dedans. Voilà, c'est vrai que ça fait vraiment plus effet poudre que effet fond de teint, donc je sais pas, j'aurais du mal à l'utiliser en fond de teint. Mais je vais m'en remettre un peu pour voir dire. Donc là forcément je vais être hyper matifiée puisque je me mets de la poudre en direct. C'est vrai que le combo des deux est pas mal efficace. Vous êtes sûr au moins que ça vous traite bien les boutons, machin et tout, mais... Mais voilà, je dirais que c'est pas une obligation de prendre ce truc là en combo avec. Mais j'avoue que voilà, vous voyez, je viens de me poudrer. Bon bah il reste quand même des brillances et pourtant je viens de me poudrer. Donc ça c'est la lumière qui est en face. Mais voilà, le combo des deux est assez intéressant, donc pourquoi pas. J'ai pas de réel avis là-dessus, je l'ai pris uniquement parce qu'elle m'a dit qu'il était très temps pour l'acné et qu'en ce moment j'ai des gros problèmes d'acné. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais je dirais que c'est pas forcément indispensable. Donc ce fond de teint là c'est une petite merveille, honnêtement je le conseille à tout le monde, je le trouve vraiment génial, il est, je l'ai testé depuis un mois donc j'ai du recul dessus, j'ai vraiment testé en conditions extrêmes, sur scène, pas sur scène, machin, et vraiment je trouve le rendu hyper naturel et voilà quoi, ça change des fonds de teint où vous vous retrouvez avec une gueule un peu jaune, une gueule un peu rose, là vous avez un teint qui peut être... fait naturel, voilà, enfin vraiment je comprends pas pourquoi personne ne parle de son teint parce qu'il est vraiment vraiment super super bien. Il est un peu cher mais il est génial.
Voilà. Après, combo ou pas avec la poudre, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, déjà tout seul, il est top. Bah voilà. Hein. Je pense qu'en comparaison, ça doit être à peu près le même genre que le Face and Body de chez MAC. Je l'ai jamais testé, mais d'après ce que j'en ai entendu, c'est que c'est un truc assez fluide et assez enfin, liquide, version comme de l'eau en fait. Et je trouve que ça fait vraiment cet effet-là quand on le passe sur la peau. Et j'adore. Voilà, et bah sur ce, je vous fais plein plein de bisous et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Bisous!